c'est Marie-Pierre Chamberlain et je joue hier au spectacle, c'est ce que le monde a le plus apprécié, c'est que c'est la musique des Beatles, la musique que tout le monde aime. Puis aussi le côté, l'énergie qu'on dégage, l'équipe ensemble, on a tellement une belle équipe cette année que beaucoup de monde nous ont dit que ça se sentait. Puis c'est ça qui est beau dans les spectacles. Mon nom est Francis Leclerc, j'ai fait du. J'ai jamais fait des comédies musicales avant, donc c'était le fait d'apprendre à sortir de moi-même pour être quelqu'un d'autre. Je me sens zen, je me sens pas stressé. Tout a bien été hier pour la majorité des personnes. Fait que ça n'a pas de raison de moins bien aller à soi, ça fait que je me sens juste bien. Salut, je m'appelle Pierre-Luc Lapointe et je fais Max dans Across the Universe. Je suis pas un chanteur, là. Je suis vraiment plus un acteur. Sincèrement, je suis content du résultat, là. C'est vraiment le fun. Ouais, fait que tu penses qu'on n'aura pas à se boucher les oreilles? J'espère, mais je veux dire, je peux pas vous garantir quoi que ce soit, là. Mais j'ai travaillé fort pour pas que vous alliez le faire, je pense. C'est vraiment un très très beau spectacle. J'ai la chance de diriger les musiciens sur scène et en même temps de faire en sorte que le spectacle fonctionne très bien entre des chanteurs, comédiens, danseurs et musiciens. Quand j'ai su que c'était ça cette année, j'étais toute excitée. Là, cette année, c'est ma deuxième. J'aimerais aussi. Je l'ai fait l'année passée, j'ai fait mon nez rouge. En fond, j'étais au cégep, mais en fond, je suis même pas au cégep encore en ce moment, je suis à l'université. Mais je suis revenue parce que l'expérience est vraiment incroyable. Toute l'équipe, tout l'esprit d'équipe qu'il y a ensemble, la grandeur du show qu'on monte, l'expérience, tout le professionnalisme qu'on fait, c'est vraiment incroyable. Un des gros défis cette année, je pense qu'on, parce qu'on a voulu une scénographie très dépouillée, donc on a voulu évoquer les lieux en servant de cube. Donc ça a été un des gros défis de dire comment on peut toujours transformer, amener les spectateurs dans cet univers-là sans montrer où on est exactement, sans que ça devienne toujours évoqué. Et en faisant aussi, évidemment, participer beaucoup les chanteurs, les musiciens à tout ça pour qu'on comprenne et qu'on embarque dans l'univers, en fait, concret. Bon, cette année, c'est moi qui sonorise la comédie musicale, où on voit ici la scène, et l'équipe de chanteurs et de musiciens. Alors, moi, c'est ce que j'ai à faire sur ce spectacle-là, c'est de m'occuper des micros des chanteurs, des micros des musiciens, de balancer le tout pour que ça fonctionne bien. Mon travail consiste à gérer les bugs avant que quiconque s'en rende compte. Donc, s'assurer que les bugs ne sortent jamais des coulisses, c'est mon travail. Je cours en arrière après telle personne, un micro qui fonctionne pas. OK, go. Faut pas que ça apparaisse sur la scène. OK, un tel, il rentre dans deux scènes, son micro est pas ouvert, il court après. Faut pas que ça apparaisse du tout sur la scène. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui se passent dans l'ombre, que les gens sont pas au courant, qui sont interceptés par des machinistes comme moi. Donc, c'est mon travail sur le spectacle Across the Universe. C'est sûr que la première, hier, on aime toujours ça parce qu'il y a une énergie, il y a un stress positif, comme je disais tantôt. Mais la deuxième, on dirait que, vu que le bon stress est tombé, je trouve que les jeunes qui performent, les gens qui ont monté le show, ils peuvent vraiment là, se donner à fond. Là, ils ont du fun. C'est ça qu'on sent. Là, ce soir, ils étaient là, ils étaient chez eux, ils étaient à l'aise. La tension était tombée, puis ils ont performé. Il y en a du talent, on sait jamais comment monter. C'est ça dommage qu'après tout le travail qu'on a fait, qu'il y ait juste de représentation, parce que la prochaine aurait encore été meilleure. Surtout que... Non, c'est ça. C'est dommage. C'est dommage.